Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, chaîne 8e, le 106 et le 107. Pas la peine de répéter, c'est une collection de chez Altaïr qui est bientôt qui va arriver sur sa fin. Puisque 106, 107, on va jusqu'à 120, je crois, il restera 13 numéros après. Donc toujours pareil, l'univers Veyron. Hein. Alors avec tous les fascicules, avec la centaine de fascicules, on pourra peut-être faire un livret hein, de l'univers Veyron. Une quatrième Bugatti. Ça c'est l'intérieur d'une Chiron. C'est un petit peu pareil. Hein. Voilà les montres Bugatti, l'histoire de chez Bugatti. Ce qui sont pas mal. Dommage que la photo est floue à l'arrière. Mais bon, c'était surtout pour faire voir la montre. Voilà. La Chiron face au Rafale. Un curieux défi. Alors là, ouais. Mais bon, c'est sûr. Il y a quand même 1500 chevaux. Voilà. Avec les traditions d'antan, les duels autour contre avion. 1500 chevaux et l'avion il pèse beaucoup plus long. Mais bon, il a une poussée beaucoup plus forte aussi. Et là, on arrive sur le pare-choc et la plaque d'immatriculation arrière. Alors, un petit regret, moi, là-dessus, bon, on aurait pu avoir, comme sur la Méhari, des autocollants pour mettre ce qu'on voulait, pour personnaliser la plaque. Que ce soit l'avant ou l'arrière. C'est dommage. Parce que là, sur la Méhari, ils l'ont fait. Et sur celle-là, ils auraient pu le faire aussi. Bon, il y a une plaque super sport. Voilà. La plaque super sport. Donc, c'est tout pour ce fascicule 106. On passe au 107. Voilà, mais oui, on voit bien que la Chiron Zebra est un modèle unique, elle brille bien, mais elle est. Enfin, dessous ça doit être du carbone, mais dessus c'est très lisse. Pas une imitation carbone. Voilà, l'imitation carbone, on voit toujours la trame du carbone. Voilà. Elle est super belle. La Bugatti 35 de Sonia Delaunay, précurseur de l'Arkar. Oh, oh, j'ai pas sauté une page moi. Oh. Sérieux, là. Voilà. Il y a une clown. Hein. Mais c'est super beau quand même. Bon, la photo n'est pas en couleur, mais bon, il doit y avoir de ces couleurs là-dessus. Ah, super belle alors aussi. Là, il y a de l'ingé. Là, il y a de l'ingé. Bugatti Vision Gran Turismo. Du bien réel pour du virtuel. Je sais pas, déjà j'ai jamais vu sur les routes. Alors, voilà. Je sais pas où il faut aller pour les voir, mais en réalité, bon, au salon. Bon, grille du pare-choc arrière et du moteur. Là, c'est celui du moteur. La grille qu'on mettra sur le moteur. Alors, moi, je ferai ça en dernier. Parce qu'à y être, je continuerai à poser ça sur mon pare-choc. Je vais pas attraper la carrosserie, la ressortir, tout ça. Non, je finirai mon pare-choc arrière et je poserai ma plaque après dans le montage. Voilà.
Donc, c'est tout pour ce fascicule. On aura le résultat final évidemment là. On ne mettra pas le pare-choc encore sur le châssis, puisqu'il ira sur la carrosserie, je pense. Et voilà. Et je vois qu'on n'a pas, sur cela, on n'a pas subi l'augmentation. 11,99, toujours pareil. J'espère qu'ils seront 11,99 pour la fin de cette collection. Ah, surtout qu'ils sont déjà préparés à l'avancée, donc ils ne les préparent pas pour la semaine, dans la semaine. Donc du moment qu'ils sont déjà préparés, j'espère qu'ils vont nous laisser à ce truc, à ce tarif-là. Que les autres collections ils les augmentent, bon, je dis pas, mais bon, pour celle-là, ils sont déjà faits les trucs. Donc on va passer de suite au montage. Donc voilà, pour le montage, il y a une petite chiffonnette, hein, évidemment. Hein. On récupère donc notre, notre pare-choc arrière. Voilà. Là j'arrive à voir avec ces couleurs là, j'arrive avec le rouge, j'ai un peu plus de mal avec la caméra à avoir du rouge bien comme il faut. Bon, là ça va, l'orange passe bien, bon, ça va. Voilà, donc voilà notre pare-choc. Donc on va venir lui mettre notre plaque, hein, super sport, rien de bien compliqué, hein. Voilà. Donc on vient la mettre là, et sur l'arrière, on lui met de la PS05. Voilà, comme je disais, c'est bien dommage qu'il ne nous ait pas fait avec un fond noir, et puis qu'on puisse mettre ce qu'on voulait, là, les lettres qu'on voulait. Bon. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Ça détériorera pas la voiture, ça c'est déjà moins important que les portières. Si je vais en revenir aux portières encore. Voilà, on a mis ça, donc moi je vais continuer là dessus donc là dessus il va venir ces plaques rouges. Donc là on a un L, les petites plaques rouges sont marquées L et R. Elles sont marquées, sont notées. Je ne sais pas si on peut le voir, oui on peut le voir. Là. Donc on vient les positionner ici, alors avec bien sûr, hein, comme elles sont notées, le brillant vers l'extérieur, de toute manière comme elles sont notées, on ne peut pas les mettre dans, à l'envers. Voilà, on met une plaque comme ça. Ceux-là ne sont pas du tout notés, mais j'ai contrôlé, elles sont exactement pareilles. Et puis la peinture, est un peu pareil de chaque côté. Hein. Donc voilà. Voilà, on la met là. Et on va y mettre de la... C'est de la D... c'est de la DS06. Voilà. Voilà. Donc je fais l'autre côté. Prendre de suite. Et bien voilà, on a nos grilles avec nos petits trucs rouges là. Alors, je sais pas si c'est. Non, je pense pas que ce soit des feux. Feux stop. Non, non, c'est du rouge pour faire voir. Pour se faire voir. Voilà. Pour qu'on soit vu, voilà, ça devrait être des bandes réfléchissantes. Voilà, ben, on a un très beau arrière, hein. Arrière de notre voiture. Par choc, on va le pousser. Je vais récupérer la carrosserie. Voilà, j'ai récupéré la carrosserie. Alors là, on verra pas grand-chose en fait, pour moi, mais on va venir installer cette grille. Pour ça j'ai déjà mis les vis dessus. Moi. Voilà, j'ai déjà mis les vis dessus. Le côté le plus étroit vers en bas, le plus large vers en haut. Et là, ici, mais voilà. Alors, on voit ici, là,
tac. Voilà, ici et ici, on a deux points d'ancrage pour les vis. Deux points d'ancrage pour les vis. Donc, on va... Alors, je vais me décaler pour voir mieux. Voilà, pour aller les mettre. Voilà. Ça craint bien ça, maintenant, avec ce... C'était le rond. Je sais pas pourquoi cette grille, ils n'ont pas fait mettre avant. Bon. Toujours pareil. Alors là. Oh, j'en ai attrapé un. Voilà. Notre grille est mise en place. Et voilà, bon. C'est en place, on a gris en place, et nos deux petits vis, hein. Voilà, et c'est tout pour ces deux numéros, voilà. Deux numéros consacrés à la Bugatti Veyron. Voilà, on a notre pare-choc arrière. Poser sur le moteur, voilà, gentiment, voilà, super sport, c'est à l'envers, évidemment, voilà, on va essayer de mettre à l'endroit, voilà, et là on ne voit plus, voilà, et bien c'est tout pour ces deux numéros, alors en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochains numéros, on a mis la grille, fait monter une partie du pare-choc arrière, et en attendant de vous retrouver plus tard, hein, pour les prochaines vidéos. Portez-vous bien et allez, salut.